What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Quand on vous en dit pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Xenocraft encore une fois, les amis, pour l'épisode numéro 3. Je suis vraiment content de vous faire cette vidéo en fait, parce que j'ai beaucoup de tryhard le monde minage, comme vous allez pouvoir voir ici. J'ai 39 blocs de saphir, 20 blocs de rubis, 51 dragonite, j'ai 26 blocs de minerai que je dois aller poser. Mais j'ai aussi 17 anixite, ainsi que 14 clantidia. Et j'ai d'autres dragonites là, mais bon, voilà quoi. Donc je suis plutôt content, on a bien tryhard le monde minage, donc ça c'est plutôt cool. On va prendre les potions, on va enlever les trucs importants, on va mettre notre... Oh non, on a besoin de notre pioche. Je vais aller miner, je vais aller à notre base plutôt. Et je vais aller miner les ores de monnaie que j'ai trouvé dans le monde minage. Donc voilà, on a fait une petite base et on a déjà un incubateur. Donc c'est déjà plutôt cool, je vais essayer de voir comment ça fonctionne tout de suite après. Mais c'est plutôt cool, on a déjà recréé une petite base, toute petite. Mais bon, ça reste quand même une bonne petite base. Donc on va miner tout ça vite fait. Et on va récupérer de la monnaie. 12, 5, 13, 13, 16, 7, 6, 17, 17, 7, 13, 13, 10, 14, 14, 16, 9, 8, 19, 18, 18, 19, 19, 9, 19. Pas si mal, on est passé de 220$ à 576$, donc plutôt bien. On était à 229$ ou 249$, je sais plus. Mais c'est plutôt cool. Donc, l'incubateur, c'est quoi? C'est un bloc qui est craftable, que vous débloquez au niveau... Oh, j'ai plein de trucs à récupérer, merde, j'avais oublié. Au niveau 5, je crois. Et en fait, ça mine pour vous, en fait. Ça va prendre ça, ça va les faire pousser, etc. pour nous. Stacher leur truc, ça va prendre 20 minutes à pousser ça, qui me dit Volkin. Mais je sais pas, moi je pense pas que ça prend ça. Permet de replanter une fois ce tuyau dessus, récolter... Ouh, je sais pas... Je sais pas si c'est vrai. Si c'est 20 minutes, c'est vraiment de la merde, mais... Sinon, What? Je me fais 3$ de l'heure. Ok, on va voir. On va regarder tout ça. Ok, donc à ce qui paraît, Volkin et un staff auraient dit que ça prendrait 20 minutes à pousser. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est vraiment nul. Faudrait soit qu'il augmente les prix parce que. Ben voilà quoi, c'est un peu nul sinon. Mais c'est pas grave, les amis. On va directement prendre nos rewards parce que, comme vous avez pu voir, on est rendu niveau 14. Donc on a le niveau 3 récupéré qui est une, un kit maître. Niveau 4, niveau 5. Qui est un le craft. Niveau 6, ça nous donne des trucs. Ok. Ensuite, niveau. Ça, c'est 5 bonbons en émeraude. Il nous reste de la place. Il nous reste amplement de place. Nice. Vous remportez un kit empereur. Donc, ça, c'est un très bon kit. Ça, d'ailleurs, il faudra que je le garde. C'est un très bon kit. Il nous reste encore un peu de place, mais pas énormément. Donc, 5 clés journalières, on peut prendre. Les bonbons, ça, on peut prendre. 2 clés, on peut prendre. Et le kit gourmand, je pense que je peux prendre. Vous avez récupéré vos récompenses. Et voilà, j'ai tout récupéré mes récompenses, les amis. Donc, juste en farmant, en minant plutôt, je veux dire, j'ai réussi à avoir 12 niveaux et tout ça de stuff gratuitement. Donc, c'est plutôt cool. Un kit empereur, de l'énergie, des items, des clés journalières. Ah, c'est pas fini, on va aller ouvrir les clés ici. On va aller ouvrir ces clés-là tout de suite après. Mais je vais quand même déposer ici dans le coffre mes stuff. Donc, oh là là, toute l'énergie qu'on a minée, regardez. Il y en a d'autres ici en haut. Donc, énorme tout ça. Je vais mettre mes kits, mes trucs du kit ici. Voilà. Il y a un autre coffre, ouais, ici. On va mettre vite fait ce kit-là aussi. On va mettre ça ici. Voilà, les pommes d'or, je vais les garder sur moi. Puisque c'est important. Les bonbons, on va les mettre dans le coffre. Sauf le... voilà, voilà, on va tout mettre dans le coffre en fait. Même l'épée en diamant qui est un peu de la merde. On va le spawn, on va l'ouvrir ces clés là. Donc on a 5 clés journaliers et 2 clés clanstia. Clanstia, je sais pas c'est quoi, si c'est pas si c'est un grade ou quoi. Mais le nom il est bizarre. Donc d'ailleurs à chaque fois qu'on vient au spawn, c'est jamais poussé ce truc. Ça a jamais été poussé, je l'ai jamais vu pousser. Donc peut-être que ça. Peut-être que ça bug, je sais vraiment pas les amis de l'interweb. Je sais pas. Est-ce qu'on a la commande slash hit? Ouais, au moins on a le hit. Donc, les clés journalières, c'est ici. Donc, la première clé journalière, on va remporter, les amis. On va remporter... Pas de l'obsidienne. Un kit d'explorateur. Ça donne quoi? Ça donne pas mal de potions de speed avec des trucs à crafter. C'est pas si mauvais. Allez, let's go, on y va. Please, j'aurais vraiment besoin d'un kit empereur, là. Ça serait vraiment cool. De l'obsidienne, bof. C'est pas... C'est pas terrible, terrible. Un autre clé journalière, let's go. Oh là là, on ouvre où les clés, le gars l'a dit. Au spawn. Please. Oh my god. Au moins, un petit kit légende, ça a été bien.
Merde, je suis déjà full, je vais aller faire un petit slash back. J'étais pas sûr en fait pourquoi ça tombait par terre. Votre inventaire était plein, mais le kit était tombé par terre. Bon, ok, dommage. On a quand même gardé des potions de heal, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, comme ça on va tout déposer celle-là, voilà. Voilà, ensuite, ah oh, c'est vrai, ensuite j'ai toutes mes kits aussi à faire. Donc ça va être plutôt intéressant. On va retourner au spawn slash back. Let's go, motherfuckers! On est capable, les boys, on est capable. Donc, honnêtement, on peut se faire du stuff vraiment facilement sur le serveur, juste à miner un quelque peu, et le tour est joué. Donc, franchement, les amis, c'est un des serveurs que j'ai vu le plus simple à se faire du stuff, honnêtement. Genre, même si t'as pas liquide, tu prends juste ta pioche, tu vas un serveur minage, et boum, tu peux ressortir avec masse de trucs. Je suis content qu'ils me donnent des kits alchimistes, ça fait des potions, je crois, celui-ci. Voilà, ça nous donne des potions. Donc la dernière clé, oh j'espère que ça va pas être un kit potion parce qu'il va tomber par terre. Merde, c'est pas grave. On a eu un kit maître, donc il va tomber par terre normalement. Ouais, on va juste jeter ça. Voilà, je pense qu'on a tout récupéré. Superbe, et on a encore, on a des clés Clanstia. Donc je crois que c'est de ce côté-ci. Clanstia. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner dans celle-là? Du P4, il y a surtout des 1 item, il n'y a pas vraiment de kit. Donc, je pense qu'on est correct pour en ouvrir un, vu que c'est un item, normalement. Donc, let's go, please. Donne-moi quelque chose de bon. Oh, ben, on a regagné une clé. En tout ça, on a regagné une clé. Donc, ça fait 3 clés maintenant. Nice. Let's go, c'est parti. Une clé, il faut un item ici. Et ensuite, on va jeter les autres potions qu'on a. Et un casque, nice. J'ai des bottes et un casque maintenant en Clanstia. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vraiment cool même. On va jeter ça. Sauf la potion anti-punch. Oups, ok. Je me suis relancé dans les trucs. Donc, tiens, Buzz Lightkill. Tu peux prendre ça, tu peux prendre ça. Ou si ça. Okay, voilà. Je vais tout te donner ça. Et moi, j'ai ouvert la deux dernières clés. Je pensais qu'il m'en restait une. Mais c'est vrai, là, dans le premier, on a gagné une clé. Donc, voilà. Oh, j'aurais aimé ça avoir le plastron, les amis. Ça aurait été vraiment cool. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Dernière clé, les amis, avant que je vous laisse pour une autre séquence. Et on va gagner une clé en Axinite. Donc, qui est une clé 100 fois meilleure. Parce que c'est un meilleur minerai. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir dans celle-ci, les amis. J'espère des grenades. Hein. Des grenades. Ouh, 16 duo combo. Ça peut vraiment devenir intéressant. C'est quoi ça, le grand maître? Ça, c'est. What? Comment on obtient des tickets de trucs comme ça, gros? What the fuck? J'aimerais bien savoir comment on les obtient. Mais en tout cas, les duos Candy et tout, là, ça c'est vraiment bon. Je vais les mettre dans mon. Dans mon truc. Oh là là, comment on appelle ça? Dans mon Undark Chest, les amis. Donc je mets ça là. Je mets ça aussi avec mon casque. Et on a, comme vous voyez, les casques et bottes. Il faudra mettre ça P4U3. Merci d'avoir regardé ça. Je vous reprends avec une autre séquence. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais je crois qu'on a. Oh non, on a encore. On n'a pas récupéré ça, et on n'avait pas récupéré ça, les amis, en fait. What the fuck, j'avais oublié, on avait encore des niveaux. Donc, on est niveau 14, les amis. Donc, c'est vraiment énorme, comme je vous dis, le truc minage. Gros, what the fuck, le stuff qu'on se fait. En fait, je suis un peu choqué, parce que on se fait crissement de stuff facilement, en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est miner, les gars. J'ai vraiment juste miné, ma réserve était pleine, et j'ai dû partir du monde minage, parce que ma réserve était pleine, pour venir ouvrir les clés, en fait. C'était ça, c'est pour ça que j'ai commencé l'épisode. Je suis choqué. Encore des Joe Candy, mais ça me va, en fait, c'est pas si mauvais. Parce que. C'est bon pour le PVP. Ça nous aurait été bien utile dans la dernière vidéo que vous avez vu, l'attaque des factions, là. Ça nous aurait été vraiment utile. 10 pump sheets! Oh là 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 là! C'est parfait tout ça, les amis. Vraiment, je suis content, les gars. Bon, je vais aller voter, et puis je vais voir qu'est-ce que j'obtiens. Donc, j'ai gagné 8 Clanstia, comme vous avez pu voir, en votant. Donc, voilà. Je vous reprends quand j'ai une séquence plus intéressante pour les amis, parce que là, je vais aller retourner miner, parce que j'approche bientôt le niveau 15. Et le niveau 15, c'est le craft de l'épée en Volcasia. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. Et ici, regardez, on remporte 5 minerais de Volcasia au niveau 16. Donc, je vais essayer d'avoir une épée, une pioche, peut-être même un casque. On serait peut-être un des premiers à l'avoir, ça pourrait être vraiment intéressant. Niveau ensuite, 17, on remporte la poule. 18, le craft. Oh, il y a vraiment plein de trucs à gagner, les gars. Je suis vraiment chaud pour éliminer pendant plusieurs heures. Je vous reprends dès que j'ai fini. Yup, what the fuck, les gars, il est arrivé quelque chose d'énorme. Donc déjà, on a avancé quelques niveaux. On a réussi à récolter le craft de l'épée en Volcasia. Volcasia. Et on a aussi récupéré 5 fragments de Volcasien. Et donc en fait, on a eu un énorme don de la faction Fou. Je sais pas si c'est leur nom, c'est que ça.
Non, c'est pas food, c'est. Attends, je vais aller voir. Je sais qu'ils m'ont fait un endroit en fait où j'ai pu récupérer tout le stuff. Donc, un gros merci à la faction food. Ils vont se reconnaître. C'est leur pseudo sur tous les autres serveurs. Que, sauf que cette version-ci, c'est les ch'tuches. Donc, un gros merci à vous, les gars. Vraiment super sympathique. Attendez, c'était Crusader. C'est lui qui m'a donné le stuff. Mais il m'a dit de faire une dédicace à toute sa faction, donc un gros merci à toi. Il m'a fait des coffres comme ça, remplis de tout leur stuff qu'il y avait. Je vais vous montrer vite fait à ma Skype tout le stuff qu'ils nous ont filé. Ça, c'est aussi du stuff qui est resté ici que j'avais pas transféré. Vous allez voir, ok. Donc j'espère qu'ils l'ont pas. Ça, c'était des trucs qu'il fallait que je mette dans mon essai. Donc ça, c'est des trucs bons, comme on peut voir, des incubateurs, des plein de trucs qui m'ont filé des efficaces. Du stuff ici. D'autres stuff. Oh, ça, je vais prendre. D'autres stuff, des livres, des trucs comme ça intéressants. Vraiment masse de trucs. Attendez, il y a tout ça aussi ici. Je vais juste ouvrir les coffres, vous allez pouvoir voir par vous-même. Mais tout ce que je possède, c'est eux qui me l'ont filé. Donc un gros merci à eux, ça va vraiment beaucoup m'aider parce que je joue pas, j'ai pas beaucoup de temps à jouer énormément sur le serveur. Tu sais, je joue pas 15 heures par jour. Donc c'est cool d'avoir eu des kits, des trucs comme ça. Et je crois qu'eux, ils étaient rendus putain haut niveau parce que. Ils ont rendu les. What the fuck? Il y avait les flèches endommagées. La flèche endommagée, c'est quel niveau? Je l'ai tué. Ouais, moi aussi je l'ai. Donc il était plus que niveau 13. Donc quand même super. Super. C'est dommage que vous quittiez le serveur, les gars. Mais merci d'avoir pensé à moi. Ça fait super plaisir, franchement. Des télécommandes, des trucs comme ça. Donc là, mon but dans la prochaine vidéo. Oh, what the fuck, 64 blocs de rubis. Mon but dans la prochaine vidéo, ça serait de. Ce serait de créer une farm avec des incubateurs. Je vais aussi montrer mon under chest parce que c'est pas tout ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné énormément de trucs et ils m'ont donné aussi beaucoup d'argent. Donc 15 000 $ qu'ils m'ont filé. Donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer, ils m'ont donné cette pomme-là, la pomme de résurrection, ils m'ont donné un full P4 RGK, un chronomètre et tout, c'est stylé. Ça ici, c'est un fake demi-seconds, donc il y a quelqu'un qui avait pris le compte demi-seconds et qui m'a donné des bots comme ça, donc voilà. Là, maintenant, je peux mettre ces trucs-là, là, il faudra juste que je mette mon plastron U3. Ils m'ont donné 5 fragments de trucs, ils m'ont donné masse de trucs comme ça, ils m'ont donné plein de Clantasia. Des bonbons, j'en ai plein, vous savez, je les garde tout le temps dans mon EC. Ça, c'était un abonné qui m'a fait un don. iDreams te dilate l'anus, donc c'était iDreams qui me l'avait donné, merci à toi. Ragnarok temporel, ça c'est une épée de femme qu'on avait fait, une autre épée de femme. Des blocs de Dragonilite, des blocs de Ruby, blocs de Saphir, et ainsi de suite. Donc voilà. Plutôt intéressant pour l'instant. On est quand même bien démarré. Il me reste juste ça à vendre, mon livre Punch 2. Toutes mes autres items, je les ai vendus. J'ai vendu pas mal d'items. J'ai vendu des blocs de rubis, des blocs de saphir, des trucs comme ça. Donc voilà. On va s'occuper de créer une petite farm avec des incubateurs pour tester la télécommande et tout. Donc c'est plutôt intéressant. On va regarder ça dans la prochaine vidéo. Mais un gros merci à la food qui m'ont fait le plus gros don que j'ai reçu sur le serveur jusqu'à maintenant. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il y aura comme dernière séquence de cette vidéo là. Donc je vous reprends dès que j'ai une autre séquence. A tout de suite, mes amis. Yop les gars, donc on se retrouve quelques heures après. J'ai enfin réussi à monter jusqu'au niveau 18. Donc ce qui veut dire que j'ai débloqué 3 poutres de cristal. La dernière fois que j'ai parlé les amis, j'étais niveau 16 au passage hein. J'ai débloqué 3 poutres de cristal et le craft du cristal. Je sais pas s'il faut rank up pour crafter la pioche légendaire. Ça n'a pas l'air. Ah oui merde. Ah faut monter au niveau 50 puis 55 pour l'épée légendaire. Donc en gros le cristal va nous servir à rien. Je voulais vraiment, en fait mon but c'était de crafter une épée ou quelque chose, vous voyez. Mais je pense que ça va servir à rien strictement. Donc on va vendre je voulais vraiment crafter l'épée, je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Mais pas tant que ça finalement parce qu'on peut pas rien faire avec. Et de toute façon, ouais c'est ça exactement, ça nous prend un scorpion bone. Et le scorpion bone, on le débloque comment? Ici, vous débloquez le craft du scorpion bone. Et comment il se craft le scorpion bone? C'est avec 2 scorpions broke. Ok, puis celui-là, on peut l'obtenir en tuant des scorpions aux events. Oh, c'est vraiment dommage, j'avais vraiment envie de vous faire ça pour ma prochaine vidéo. Mais c'est pas grave, on va travailler dans la prochaine vidéo, les amis, sur l'incubateur. Donc, on va se faire une petite farm à incubateur et voir que si ça c'est vraiment rentable ou pas. Donc, voilà! J'espère que cette vidéo aussi vous a fait plaisir, plus une update de tout ce que je possède, etc. Après près d'une semaine de jeu. Donc voilà, je vais juste faire un petit update aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt
pour une nouvelle vidéo. C'était iCoons. Ciao, ciao!